Malinus la jabaga bela jeni amunu sokoli na lashu anipile au ni nyamu. Bieta rata utugalo klitan saba samba flani muganani. Kama biku na funu mina talige mina. Usmanu songo ya ira kafu. Kufara finde mbe akili nanga ngenge mie ude kafara fina franyonga kake kili. Ni ambore ya nino. Mie sefa waru milion keme saba ani milion mwa anishiri ule mine na mali alipor la udua yonfe. Kuna funu wala wala li amino doma nga kuna funu kono. Au bisimila wa kuna funu ngono. Farafinya korote ya ku anga farafara. Anga emosyonu nubla kerefe. Nye Senegal premier ministry kumakai Usman Songo. Anga kunu kuna funu na unya adawo kuloga. Ko Usman Songo aleka angana malila. Kunu ulafe Usman Songo aleka pangunu jigina abamago. Akumbe na mali premier ministry fe. Premier ministry shoke luko kala maiga. Utara kuluga. Usman Songo ni kolonel asimu goye takanyo kwenye ukofe. Haida kurunye flafla fo kuna fundilawe. Kuna fundilawe nyini ngalite ngwala. Ko Senegal jore muni ayesigula. Usman Songo ya iraka fukuga emosyonu nubla kerefe. Kale madeliga déclaration fo yé ministre santau té kilini ko olu wa position djé ya ko sébé abini adamné ko o yéré asoro ayisi mana folo kabini wakati mina ambar ko mbiné no malikan téréo jamana ñe mogo fé ni olu wa jamana ñe mogo yéré ko mbolé asoro alé bu opposé ala kale ay ira kafo kabini décision en condamné ko sébé ay ay ira kafo ko olu wa fangaina ko mogo chité na Sénégal fé kibéni jamana nu déstabilisé ouvé kibé ñangili taka ñe chini jamana nu numa ko ga alé to kasola séréo jamana ñe mogo ya ira kafo ko ubé na daru franyo ngata Niger kele kale ya ko dinosi wa ale kan ada sida o jamana ni mo wonya na sana Usman Songo ya ira kafo ko ale ga discours fo ite ni mo bi singa fo kaya fo o discours nunu kon nala ko nu na na fangara u bitan je kuli na u bitan je kuli na ko jamana nunu bega independence be ugulu jamana nunu bega shwa be ugulu wa ko Senegal be jamana nunu bega shwa respecti Usman Songo ay kuma chama fo aw ni ne anga janga ta Usman Songo wa kuma ga nunu na me han colonel Asimi go ita ga nyogo nyoko te savez il y a quelque chose que nous devons éviter. C'est le mettre les émotions au devant de tout. Les questions qu'on gère sont des questions extrêmement sérieuses. Il ne me sera jamais reproché, on ne sortira jamais une seule déclaration que j'avais faite avant qui diffère des déclarations que j'ai faites aujourd'hui. Notre position a été très claire depuis le début. Quand nous avions commencé à prendre position sur ces questions, il n'y avait pas encore l'AES d'ailleurs. Il y avait ce qui se passait dans chacun des pays. Aujourd'hui considéré comme étant membre de l'AES. Quand c'est arrivé au Mali, nous avons été en tant qu'opposants les premiers à dénoncer. Et on continue à le dénoncer fermement. L'embargo qui a été fait sur le Mali par des pays frères et malheureusement parmi lesquels notre propre pays. Je l'avais au nom de mon parti dénoncé. Je continue à le dénoncer et comme je l'ai dit, sous notre régime, ces genres de pratiques ne pourront jamais prospérer et personne ne passera par le Sénégal pour soit déstabiliser le Mali ou aucun autre pays frère ou alors lui imposer des sanctions de cette nature. Cela n'a pas changé, ça ne changera pas. Quand il a été question d'une intervention au Niger, ma position a été très claire. De ma cellule de prison, j'avais fait une publication pour dénoncer cela et mettre en garde les chefs d'État de la CEDEAO. Cela n'a pas changé aujourd'hui. L'AES est venu après, et personne ne sortira un seul discours où moi, en tant que président de mon parti opposant de l'époque, j'avais dit que nous rejoindrons telle ou telle organisation. Il faut arrêter ces amalgames. Nous n'avons jamais pris position pour dire que le Sénégal va rejoindre telle organisation ou telle autre. Ça, c'est la première chose. Nous sommes tous des pays souverains. Nous nous respectons. Nous devons nous respecter dans nos choix souverains. Et nous respectons le Mali dans ses choix. Nous respectons le Burkina dans ses choix. Nous respectons tout le monde. Des choix que nous comprenons, puisqu'on a toujours dit, et je l'ai rappelé, bien après avoir été Premier ministre, que beaucoup d'erreurs ont été commises par les chefs d'État de la CEDEAO et que souvent on s'est intéressé beaucoup plus aux symptômes qu'aux causes réelles qui nous ont conduits à cela. Ça n'a pas changé chez nous. Alors qu'est-ce qu'on nous reproche? D'avoir ou d'être en train de travailler pour continuer à réunir la famille. Depuis quand on peut reprocher à un panafricaniste de faire tout pour qu'on reste dans des cadres solides plutôt que de nous diviser? C'est cela qu'on nous reproche. Et donc ça veut dire qu'on a changé. Nous continuerons à travailler. Et je l'ai dit, quel que soit l'aboutissement
ou le choix qui a été fait, cela ne changera absolument rien dans nos relations avec chacun des pays et les cadres qui seront mis en place. Au contraire, ça pourrait même les renforcer. Il faut que nous mettions les émotions de côté et que nous travaillons sur la base de préoccupations concrètes. Si on se dit panafricaniste, tout panafricaniste doit avoir comme seul et unique objectif de réunir les Africains au-delà de nos divergences. Donc essayons, comme nos aïeuls l'avaient fait pour créer l'Empire du Mali qui s'étendait d'ici au Sénégal, au Ghana et partout, nous ne pouvons pas faire moins que. Et c'est ça notre préoccupation. Mais si un pays souverain comme le Mali considère que les erreurs qui ont été commises justifient de sa part qu'il quitte, nous respectons cette souveraineté et cela ne changera absolument rien dans nos relations qui sont des relations séculaires et fraternelles. Le président a été très ouvert. On a eu une discussion très franche, très fraternelle. Et j'apprécie bien toutes les recommandations qu'il a eu à formuler parce qu'il souhaite le bien du Sénégal, qui est un pays frère. Donc, les alertes sur ce phénomène de terrorisme et son évolution, les recommandations qu'il a données, et surtout, on est sur la même longueur d'onde qu'entre le Sénégal et le Mali. Les considérations externes, exogènes à cette relation ne peuvent pas impacter cette relation. Nous resterons unis conformément aux réalités géographiques, historiques, économiques, sociales, sociétales même, qui nous imposent d'être deux pays très unis et de continuer à coopérer dans tous les plans. Et ça, c'est extrêmement fort. Je sors d'ici avec la certitude qu'on a exactement la même compréhension de ce que devraient être nos relations. Kunafoni filanan Senegal autorité au mieux Senegal jamana kuntige Basiru Diomaye Faye an premier ministre Ousmane Sonko tena se ka foyi de ge wala sa ay siga sigi ngana se do kon nala ni gi Marissa Nyang kuma gay gi Marissa Nyang ale Senegal député doy ko sai da ay interview do ge o kon nala ya ida ka fo ko se do ke le do ga Senegal jamana kuntige ta ay sini se do ni nyong che wala sa ay sibe se ga sigi se do kon nala chukumina kun aka ale fe foyi da ay sigi se do kon nala sabula se do toro ya mun ta ga nyashi ni jamana numa o alna ke ra iteri ga ni toro ya su ta ga nyashi ima ite saka segi ngana kibitike di umatuni gi Marissa Nyang ya ira kafo ko alebeta shibla ga ga nyashi mali armema tenza waten atagila arme munu sarala ka beta shibla ta ga nyashi uma ni wakati na gi Marissa Nyang alebeta sibari la wala sa farafina bebe saka ga kini chuga yami paoni ni anga jenga ta gi Marissa Nyang ka ni kumaga nami. Est-ce que le président Bassirou Diomaye Diakhaté Faye pourra les ramener? Je ne crois pas. Vous êtes pessimiste. Je ne crois pas à court terme, à moyen terme, au moins je ne crois pas que cela soit possible. Parce que malheureusement, cette CEDEAO-là a créé ces dissensions, a créé sa scission, en n'étant pas aux côtés des pays en proie au terrorisme. Quand ces pays-là ont eu besoin de la CEDEAO n'était pas là. Et vous me permettez d'ailleurs de présenter mes condoléances à nos sœurs et frères du Mali, dont, qui ont vécu plusieurs attaques dans la dernière période avec beaucoup de morts. Ouais. Je leur exprime ma solidarité et j'en profite aussi pour dénoncer fermement ce que l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal a eu à dire comme propos, soutenant de manière décomplexée des groupes terroristes au Mali. Il a été le Sénégal ne sera jamais, ne devra plus être, s'il l'a été un jour, un endroit à partir duquel on va tenter de faire tomber des régimes, on va tenter de saper, en fait, un État comme l'État malien. Kunafoni sabana sefa war million kɛmɛ saba ani million mugan ani seegin o de minɛna mali aéroport la sefa war million kɛmɛ saba ni million mugan ni seegin o de bɔra dɔ ka donin kɔnɔ mali aéroport la ni wari a kun bɛ dolar de la dolar wari waa kɛmɛ ni o bɛ sefa war million kɛmɛ saba ani mugan ani seegin ma u kun kɛlen don ka wari in melenge k'a bila u ka minɛnw cɛla mana minnu bɛ kɛ ka valisiw melenge aéroport la u kun kɛlen don k'o kɛ ka nin minɛ ninnu melenge ka ɲa kosɛbɛ walasa duwayɔnw bɛ se ka découragé a fu yeli la cogoya min na nka duwayɔnw ye nin wari in sɔrɔ a yirala k'a fɔ ko wari in ye mali opérateur économique dɔ de ta ye wari in kun bɛ ka bɔ
bamakɔ yan nɔ ka taa kunu kongo ye yɔrɔ ye maliyɛn caman sigilen don jamana min kan wari kun bɛ ka bɔ yan nɔ ka taa yen nɔ de nin wagati in na wari in bɛ mali dɔnyɛnw bolo sabula yamaruya tɛ mɔgɔ si bolo i ka bɔ ni nin wari caman sugu ye mali jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔw t'a kalama wari in bɔra yɔrɔ min na ubiyɛn wari in bɛ ka taa don fɛn min na sabula nin wari sugu bɛ se ka bɔ jamana kɔnɔ ka taa don fɛn dɔ la ka na n'a ye jamana kɔnɔ min bɛ dangari kɛ jamana la ubiyɛn nin wari sugu bɛ se ka don jamana kɔnɔ fɛnɛ k'a don fɛn dɔ la jamana yɛrɛ kɔnɔ min bɛ se ka dangari kɛ jamana la o la nin wari sugu tɛ se ka bɔ ka don jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw t'a kalama nin wagati in na wari in bɛ mali dɔnyɛnw kɔni ka bolo kan ni min bɔra wari ko in na don n'a nataw la an b'o dɔn o bolo. Kunnafoni nana Niger Television National ye jaraw cari ni ja ninnu kɔnɔna la o y'a yira k'a fɔ ko berebu sɛbɛntiyalen b'u bolo u kɛrɛfɛ jamana la ni o ye Nigeria ye ko mɔgɔ dɔw olu bɛ fɛ ka dangari kɛ u ka jamana la mɔgɔ minnu bɛ ni ja ninnu kɔnɔna la golofinmanw b'a la golojɛmanw b'a la i n'a fɔ italiyɛnw ale ni amerikɛnw min ye Niger FDIC ale de ye kunnafoni in cari u y'a yira k'a fɔ ko ni mɔgɔ ninnu nana k'u nana visite courtoisie de la Niger nka ko visite ko in kun tɛ tiɲɛ Niger Television National ye ni ja minnu sɔrɔ aw ni ne an ka jan ka t'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Les révélations se succèdent et confirment les unes après les autres la présence avérée d'éléments subversifs hostiles au Niger. Après la diffusion hier sur nos antennes de cette photo où l'on peut voir la présence d'hommes blancs dans une équipe de patrouille frontalière du Nigeria, voici une vidéo rare sur la présence d'une patrouille nigériane au poste frontalier de Farou. Pour, d'après cette patrouille, une visite de courtoisie, pourtant non annoncée, sans information préalable et donc avec intention de surprendre. Mais cette patrouille a été vite renvoyée par nos FDS et son patron mis en garde. Sur cette photo donc, déjà diffusée hier soir, ces blancs sont tous des Américains qui avaient transité par Johannesburg courant juin 2024. Sous le couvert soi-disant d'un organisme Lanterne Rescue, visant selon eux à apporter une réponse armée au banditisme dans le nord Nigeria. Mais l'on saura plus tard leur vraie identité, tous des Américains alors qu'ils s'étaient fait passer pour un Américain, un Italien et deux Australiens. On le voit bien, les récentes révélations du président Tchani se confirment encore. Fort heureusement, nos FDS tiennent l'ennemi à l'œil. Halisa an bɛ to Nijɛri kunnafoniw kɔnɔ Nijɛri premier ministre ale bɛ tagama la Alizeri kari don utukalo tile 11 Nijɛri premier ministre Mohamed Lamine Alizen ale taara tagama la Alizeri ani délégation belebele taara nin tagama in na ni o délégation ninnu na ministre caman b'a la u taara nin tagama in kɛ Alizeri kɛrɛnkɛrɛnnenya la Alizeri capitale la n'o ye Alizeri u ka pankurun jiginna u kunbɛnna Alizeri premier ministre fɛ ni o ye Ladir Labak ale fɛnɛ ni délégation belebele taara ninnu kunbɛn o délégation ninnu na n'u ka armée ɲɛmɔgɔ caman kun bɛ o la. La visite du Premier ministre en Algérie a débuté ce lundi matin par le dépôt de gerbes de fleurs au sanctuaire des martyrs à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale, guerre menée contre la France colonisatrice. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Arkab Mohamed, a fait une brève présentation de l'histoire de l'Algérie et certains monuments de la ville au Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Ali Mohamed Lamine-Zen et sa délégation. Par la suite, la délégation nigérienne s'est rendue au palais du gouvernement. Le Premier ministre Nadir Larbaoui a accueilli à l'éperon ses hôtes, une forte délégation composée des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et du gouvernement. La sécurité, le transport, la culture, la communication, les routes, entre autres, ont été abordées par les deux délégations lors de cette importante réunion présidée par les deux premiers ministres. Notre pays a tenu à venir en Algérie pour d'abord exprimer son parfait engagement et sa volonté de renforcer ses liens avec tous les voisins sincères qui le veulent bien. Le chef de l'État, le général Tchani, a tenu à ce que nous fassions ce déplacement parce que mon homologue, le Premier ministre, a insisté lorsque je l'ai vu en Mauritanie. Et il a aussitôt envoyé le ministre de l'Énergie à Niamey pour
des échanges avec notre ministre en charge du pétrole. Et ce matin, avec les ministres sectoriels, il a été question que des échanges aient lieu de manière à ce qu'on approfondisse tout ce qu'il y a comme projet sur la table. On retiendra que notre pays entend exploiter le port algérien qui n'est pas très loin de l'une des régions. Deuxièmement, la mise en œuvre de projets de la transsaharienne. Et troisième élément, c'est la fibre optique. Nous avons également parlé de la sécurité. Nous avons fait clairement savoir à nos homologues, amis et frères algériens que nous sommes très concernés par tout ce qui touche le Mali. Le Mali aussi partage une frontière avec l'Algérie. Notre souhait, c'est de voir très rapidement la paix de retour sur l'ensemble des frontières. Le rôle d'un pays comme le nôtre, c'est de faire la promotion de la paix partout où nous sommes. Donc voilà un peu de mots, ce qui a fait l'objet d'échanges avec le Premier ministre algérien et la quasi-totalité des membres du gouvernement. Kunafoni dununa Ameta Burkina. Aye kunafoni sɔrɔ k'a fɔ ko Burkina juge naani olu le bilala ka taa kɛlɛda la. Min ye Burkina ministère de la défense ye, a ye sɛbɛn kɛ ka ci nin juge ninnu ma. Ni o sɛbɛn ninnu kɔnɔna la, a yiralen don u la k'a fɔ ko jamana mago sera u ma. K'u kan ka taa kɛlɛda la. Nka mun de nana nin ye? Sababu jumɛn la nin juge naani bilala ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la? Kunnafoni min bɛ Mali News bolo o de ye k'a fɔ min ye Bobo Dioulasso procureur ye n'a y'ale ka récusation sɔrɔ. A yirala k'a fɔ ko ale ni karamɔgɔ baro de bilala ɲɔgɔn na ni o karamɔgɔ yɛrɛ bɛ Bobo Dioulasso. Nin karamɔgɔ in minɛna k'a datugu magistrat ninnu fɛ. Mɔgɔ caman y'a yira k'a fɔ ko o sababu ya de la min ye Bobo Dioulasso procureur ye ale bilala ka taa kɛlɛda la nka mɔgɔ saba wɛrɛ farala a kan ni olu ta sababu ma dɔn fɔlɔ ni min bɔra nin ko in na don n'a nataw la an bɛn'o da aw tulo kan. Ni ne bɛ an ka bi kunnafoni ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na an ka foli b'an lajɛlibaga bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya na minnu bɛ k'an lajɛ ka bɔ Niger aw k'an bɛn wagati wɛrɛ. Nous observons avec beaucoup d'anxiété la catastrophe humanitaire qui se déroule en Palestine. De notre côté, nous faisons tout ce que nous pouvons pour soutenir le peuple palestinien. Comme vous le savez, nous faisons tout ce que nous pouvons pour utiliser toutes les possibilités en notre pouvoir pour revenir en aide au peuple palestinien. Avant toute chose, bien sûr, nous sommes inquiets de la perte des civils par milliers, en particulier les femmes et les enfants. Je suis très heureux de la possibilité de vous rencontrer aujourd'hui ici à Moscou et de vous parler et de parler ensemble de l'état de nos relations, bien entendu, et de l'actualité et des perspectives. Nous, comme vous le savez, nous sommes toujours exprimés en faveur d'une solution pacifique. Notre position réside dans le fait que les racines du problème remontent à très loin et doit se résoudre au sein des organisations internationales, en particulier à l'ONU, avec la création d'un État palestinien. Notre position demeure inchangée et nous pensons qu'il faut, pour garantir une paix stable, longue et durable dans la région, eh bien, tout cela doit se faire par l'intermédiaire des Nations Unies, par la création d'un État palestinien. Bienvenue, Monsieur le Président. Nous sommes très heureux de vous voir. Merci beaucoup, Monsieur le Président Poutine. Je suis très heureux d'être ici à Moscou. C'est un pays ami pour le peuple palestinien. Cette amitié date de décennies entre le peuple palestinien, l'Union soviétique, la Fédération de Russie. Tout ce temps, au cours de ces décennies, nous avons ressenti le soutien de la Russie, du peuple et du gouvernement russe en faveur des Palestiniens. Et la Russie a toujours été du côté du droit et de la vérité, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, s'agissant du droit international et des résolutions qui ont été adoptées
Cela a commencé dès 1947. Plus de 1000 décisions de l'Assemblée générale, de résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité. Et malgré tout, à cause du comportement des États-Unis, pour adopter une résolution, pour prendre une décision, ça a toujours été difficile s'agissant du droit des Palestiniens. Nous sommes très inquiets de ce qui se passe. Nous sommes en contact perpétuel. Nous entretenons des contacts au niveau des ambassadeurs et du ministère des Affaires étrangères. Nos relations sont chaleureuses avec les fédérations de Russie et nous sentons que nos amis et nos frères de la Russie sont très attentifs au sujet de nos problèmes. Dans un contexte de situation humanitaire, dans le contexte humanitaire, dans le contexte de la sécurité, et de notre côté, nous aussi sommes aux côtés de la Fédération de Russie, sans aucun doute. Il y a un problème dont je voulais parler, c'est la recommandation du Tribunal international qui a publié récemment, de manière décisive, le fait que l'attitude d'Israël est intolérable et il y a les décisions de l'Assemblée générale, du Conseil de sécurité et de la communauté internationale de faire tout ce qui était possible pour mettre fin à l'attitude, aux agissements d'Israël. La décision de la Cour pénale internationale indique qu'Israël doit renoncer aux mesures qui enfreignent le droit humanitaire international. Nous sommes toujours très heureux de communiquer, de discuter avec vous, Monsieur le Président. Nous vous faisons confiance, nous vous croyons et nous sentons votre soutien. Ainsi, nous espérons que cela va durer. Nous pensons que la Russie est l'un des amis les plus chers du peuple palestinien. Et comme vous l'avez dit au début de votre intervention, nous espérons que le peuple palestinien finira par avoir un État. Plus de 40 000 tués, comme vous l'avez dit, depuis le 7 octobre. Peut-être plus de 80 000 blessés et peut-être plus de 15 000 personnes sans abri sur la bande de Gaza, à Jérusalem, en Cisjordanie. Nous poursuivons notre lutte. Nous allons de l'avant avec détermination. Nous voulons mettre fin à la politique d'expatriation. Nous n'acceptons pas l'expatriation des Palestiniens, l'expulsion de Gaza, de Cisjordanie et de Jérusalem, comme cela a eu lieu à plusieurs reprises. Dès le siècle dernier, en 1947, notamment. Et merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui pour poursuivre notre discussion. Je vous remercie. Bina ni bishegi ani nani hula condition fembe wala ya sabu seka do ngo group WhatsApp la abo bela.